Bah, dans une maison, tout simplement. Du moins, ce qu'il en reste. Donc, c'est assez. J'ai une sensation un peu bizarre ici. Comme tu peux voir, il y a encore le mobilier. C'est dans un état pas possible. Ça a été retourné, fouillé. Tout est par terre. La majeure partie du mobilier est là. On va voir ce qu'on peut trouver, mais c'est vraiment, encore une fois, triste. Hein. Là, je me sens un peu comme un intrus ici. Ça me rappelle un peu la maison qu'on avait fait en pierre, qu'on avait appelé d'ailleurs la petite maison dans la prairie, si je me souviens bien. On est parti pour la visite ? Allez, go ! Donc comme on peut voir, tout objet de valeur n'a pas disparu. Enfin, ça n'a peut-être pas beaucoup de valeur aujourd'hui. Et moi, ça me rappelle beaucoup. Voilà. Un peu collante. Une relique. Allez, on la remet bien au chaud. Ouais, Nico, est-ce que tu peux nous dire cette odeur? C'est pas un cadavre, rassure-moi. Non, c'est toi, t'as eu la charmante petite idée d'ouvrir ce congélateur-là. Allez, vas-y, va, montre aux internautes ce qu'il y a dedans. Non, il n'y a rien, mais... Allez, montre, ils veulent savoir, sinon c'est nul. Alors là, je retiens ma respiration. Laisse la GoPro qu'on voit, hein. Il n'y a pas l'odeur à la caméra, malheureusement, pour vous. Ça sent bon? Ou heureusement, ah ouais, ça sent super bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, oui, la petite explication, on est dans le garage. Alors, essayez de me suivre. Allez. Vous allez voir, donc, dans toute la maison, c'est à peu près comme ici. Voilà. Voilà, donc c'est un gros tas de... C'est même pas des ordures, c'est les objets de la famille, quoi. Donc tout était retourné. Il y a des endroits où on est bien sur 40-50 cm d'objets, hein, dans certaines pièces. On n'arrive même plus à ouvrir les portes. Donc voilà, on va passer à l'extérieur et puis je pense que ça va être fini. Allez, go! Donc, fin de cette visite. Donc désolé pour le bruit, on est à côté d'une autoroute. Hein. Triste, mais pas grand chose à se mettre sous la dent. Tout est dans le désordre, hein. C'est vraiment... on a du mal à marcher même dans la maison. Donc le dernier papier que j'ai pu trouver date de 2004. Apparemment ils étaient 6 au minimum dans la maison. On a retrouvé 6 noms. Voilà ce qu'on peut dire pour cette maison. Je le rappelle, c'est vraiment triste de venir à l'intérieur. Bon, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut.